Donc voilà, on est parti sur le joli circuit du Gapuka MT Team de Strasbourg, Erstein, qu'on est en train de refaire, voilà, qui était un peu laissé à l'abandon quelques années, et qui on va essayer de remettre ça un peu dans toute sa splendeur. Bon voilà, ça permet aussi de venir se confronter à un chrono, à un circuit, notre plaisir que le bâche, mais qui est pas mal, mais quand on fait les deux, c'est tout aussi bien. Allez, je vous emmène. Donc là, la double bosse, toujours aussi pénible à faire. Voilà, voilà, donc ça c'est sûr que de toute façon. Ah. C'est vrai qu'elles sont, elles ont déjà un certain nombre de cycles, elles sont un peu fatigots avec des lipos un peu plus neufs. On est quand même, en termes de vitesse de pointe, on est quand même bien meilleur, mais bon, ça permet quand même déjà de bien voir venir. Alors après, sur le gazon, faut les pneus un peu là, outillés, parce que sinon on fait vite des capots. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites coupures dans le vario, un petit trou comme ça. Faut que je regarde ça, ça va être trop dérangeant, mais c'est le vario d'origine, le BLX V, je sais pas combien, V2 je pense, 180 ampères, je vais regarder ça, oui, ça ratatouille un peu là. Ouais, c'est étonnant ces coupures, c'est aléatoire, faut que je vois les connectiques, la petite couille. On ira mettre la planche après. Oubla. Bon après je vais pas vous faire faire 43 tours non plus. Bon.
suis pas non plus un pilote professionnel, hein, je veux pas trop le plaisir. Et voilà, c'est pour vous montrer que globalement, la petite bébête là, eh ben, elle en fait du taf. Elle envoie de la. Déverter les pas mûrs. Et que globalement, j'en suis super satisfait, à tel point que j'ai acheté. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Une bonne occasion d'un Senton V1 pour mon fils qui avait un BX10 Tobi Tech qui avait des noix de cardan en beurre. Et au bout d'avoir changé peut-être 5-6 fois, je dis ouais, c'est bon. Chaque sortie, un cardan, ça commence à faire cheese. Donc, zou, allez, en arma, pareil. Et donc, depuis, on n'a rien changé. Ah, là je crois que c'est marron. Bah écoutez, on va en rester là. Moi, ça sert à rien de prolonger le plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous me le dites. Et puis je vous en ferai d'autres avec d'autres modèles ou en patrouille avec le fiston. Allez, ciao.